Bonjour à tous, nous sommes à une quinzaine de jours du printemps, ça avance. Les jours allongent, donc il y a plus de lumière, les pelouses verdissent, en tout cas on sent quand même la nature s'éveiller. Même s'il faut bien le dire, on le voit ici autour de nous, c'est encore bien endormi. Mais enfin, il y a un petit prémisse. L'occasion pour nous de nous pencher encore sur nos plantes d'intérieur, sur nos potées qui sont là. Souvent en mauvais état, hein, parce qu'elles ont passé une bonne partie de l'automne et de l'hiver. Alors justement, ces potées, on ne va pas les laisser comme ça, on va leur permettre de refleurir au travers de quelques astuces que vous fournit tout de suite notre amie Valérie. Alors premier exemple, le clivia. Donc après la défloraison, la fanaison de la fleur, ouais. On va couper la hampe florale au ras des feuilles. Ouais. Donc on coupe, on nettoie bien les feuilles et on va oublier en quelque sorte la potée dans un coin de la maison. On la laisse comme ça. Voilà, on la rempote surtout pas parce que, enfin pas trop souvent, tous les 2-3 ans, pas plus, parce que c'est une plante qui aime avoir les racines à l'étroit dans son récipient pour bien refleurir. Là, l'anthurium. Alors l'anthurium, que l'on appelle également le flamant rose, oui. Vous comprenez pourquoi. Donc là, les spathes, hein, que l'on voit ici, se renouvellent pendant 2-3 ans. Mmh. Donc pour qu'il y en ait toujours plus, on va placer la potée à la lumière. D'accord, hein. En nettoyant les feuilles également. En nettoyant les feuilles, attention, dans un mois, lorsque les beaux jours vont vraiment revenir, on reculera la potée. Pas trop de lumière, de la lumière, mais pas trop chaud quand même. Hein. Ici, alors, les muscaris. Les petits muscaris. Donc, dès que les hampes florales seront défleuries, on coupera au ras des tiges et on pourra tenter, parce que ce n'est pas garanti à tous les coups, surtout s'ils ont été forcés, on replantera les petits bulbes au jardin, dans un coin frais. Enfin, les violettes du Cap. Les violettes du Cap, que l'on appelle également les Saint-Paulia. Donc on coupe tout ce qui est fané, on rempote la plante et on fait attention de ne pas mouiller le feuillage qui est dufteux. Bon, autant de conseils qui sont précieux pour avoir des fleurs longtemps chez vous, parce qu'effectivement, elles fleurissent, mais elles peuvent refleurir. Merci Valérie, au revoir à tous. Au revoir.